Chacun se sent un air et un vie, ce qui témoigne de notre attachement à l'épanouissement de tous les jeunes de l'Union. Si le savoir demeure un droit et une nécessité, est-il aussi à la portée de chacun, que l'on soit enfant de brigade ou de cadre? Les jeunes sont majoritairement et particulièrement touchés par la précarité. Ils souhaitent que des professionnels, des anciens élèves à peine entrés dans la vie active et des lycéens qui ont le même projet professionnel qu'eux viennent à leur rencontre. Le programme pour l'emploi à l'automne 2010, les jeunes seront priorisés. Les jeunes souhaitent notamment être à l'initiative de nouveaux projets, meilleure distribution des équipements existants, démocratisation des accès à la culture et aux pratiques sportives. Nous proposons de prolonger la scène jeune à l'intergénérationnalité lors de la future fête de bonheur. Créer un comité d'initiative qui pourrait agir directement sur la prolongation des temps de transport le soir. Donner la possibilité aux jeunes de pouvoir s'inscrire comme demandeurs de logement. Comment un jeune de quartier populaire peut-il être considéré comme un citoyen à part entière, alors qu'en vérité, les jeunes de ces quartiers se considèrent comme des citoyens entièrement à part? Les jeunes se plaignent beaucoup que la police ne les respecte pas. Ils veulent créer les conditions pour que les associations puissent davantage travailler ensemble et avec les jeunes. Nous avons pour objectif de favoriser l'échange et la solidarité entre les générations. Nous avons besoin d'une communication beaucoup plus dynamique, qui bouge plus en phase avec notre ville qui est jeune. On met en place un concours de jeunes journalistes, développer de nouveaux systèmes de communication. La mise à disposition de blogs jeunes, la création des plateformes SNS, l'équipement jeunesse. Vous le voulez, vous l'aurez. Je m'engage à ce que chacune des propositions formulées depuis octobre trouve une réponse si possible, une suite concrète, travailler avec vous, avec les élus et avec les services municipaux.